Señor, gloria a ti. Te fará mi malo, solo mi malzaro. Te vuelve mi mujer. Mmh, 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 voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à chacun. Que Dieu vous bénisse, bonne arrivée. Nous attendons nos frères et sœurs à travers le monde entier pour ce moment. Et cette première expérience, cette première édition à 6 heures. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Connecte-toi. Partage la vidéo et surtout abonne-toi si tu n'es pas abonné. Le Seigneur a de grandes choses à faire avec nous dans cette génération et je crois fermement que tous ceux qui se connectent euh, sont des personnes que le Seigneur a réservées dans son carquois pour apporter de grands changements dans cette génération. Donc partage la vidéo, partage-la. Nous allons traverser, nous allons passer un moment Extraordinaire ensemble et la journée sera allumée. Elle sera pleine de gloire, de grâce et je sais que Dieu fera de grandes choses. Donc nous vous attendons. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous immédiatement et vous revenez. Voilà. Devenez membre de l'église virtuelle. L'église virtuelle et universelle. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. À partir de demain matin, par la grâce de Dieu, je crois que. On pourra prier pour quelques personnes. Ça veut dire qu'un numéro sera affiché pour nous permettre de bénir la journée de plusieurs. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà. Donc, connectez-vous et partagez la vidéo. Partage au maximum cette vidéo dans tes groupes, partout, avec tes amis, tes contacts. Invite les gens à être bénis. Que Dieu te bénisse encore. Donc, nous attendons les autres.

Seigneur, répands ta rosée sur nous ce matin. Répand une grande grâce sur nous, Seigneur, qu'elle tombe comme la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Bilmerami munra infello. Geram mano del lo. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Pendant que tu te connais, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'emmène dans les profondeurs de son esprit. Il y a des choses, des dimensions avec Dieu que nous avons à découvrir. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous permette, à travers ces rencontres, de changer quelque chose dans nos vies. Ça veut dire d'enclencher de, un déclic qui transformera nos vies à jamais pendant cette année. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion solennelle. Que ton nom soit béni. Je te bénis, Seigneur, pour mes frères et sœurs dans le monde entier qui sont rassemblés en cette heure pour ce grand direct. Père, tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous par la foi. Et nous te bénissons d'être au milieu de nous. Te disons bonjour et bienvenue au milieu de ton peuple. À toi la louange et la gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On va commencer. Voilà. Il faut dire que je bénis le nom du Seigneur pour cette occasion. Je bénis le nom de Dieu pour vous. Et je ne cesserai de vous dire merci pour le soutien que vous avez été pour moi et que vous êtes encore pour moi aujourd'hui. Comme je l'ai dit hier lors de mon direct, cela a prouvé que l'Église peut s'unir. Cela a prouvé que les hommes de Dieu peuvent s'unir. Nous avons tout à perdre à nous combattre les uns les autres. Et j'ai dit quelque chose dernièrement, j'ai expliqué que les problèmes de l'Église aujourd'hui, en général, et je parle de l'Église africaine surtout, parce que je ne sais pas si ça se passe dans les pays européens ou bien asiatiques, etc. Mais l'observation personnelle que j'ai eu à faire et des études personnelles, les conclusions que j'ai tirées, c'est que le problème principal de l'Église aujourd'hui, c'est l'immaturité. La Bible entre les mains de personnes immatures. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Et voilà pourquoi il avait sorti un précepte à son époque disant que il ne faut pas que celui qui prêche l'évangile soit un nouveau converti. Et lorsqu'on parle de nouveau converti, je voudrais croire que nouveau converti ne veut pas simplement dire quelqu'un qui n'a pas mis longtemps dans la foi, mais quelqu'un qui est demeuré dans un esprit bébéique, c'est-à-dire quelqu'un qui malgré de nombreuses années dans la foi, ne comprend pas toujours la véracité et la véridicité des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Vous voyez, là, ça devient un problème. Euh, une fois, j'étais en train de discuter avec un jeune homme de Dieu. Et puis, je lui ai posé la question de savoir, pour lui, c'était quoi la Trinité Et quand je lui ai posé la question, il m'a répondu ceci. Il m'a dit, vraiment, homme de Dieu, moi, des questions compliquées comme celle-là, la Trinité, tout cela, la divinité de Jésus. Moi, je n'aime pas entrer dedans parce que ce sont des sujets qui peuvent perdre une personne. Et ça a été comme un choc pour moi. Pourquoi un choc Parce que, en tant que prédicateur, lorsqu'un prédicateur tient un langage comme celui-là, alors imaginons-nous, euh, s'il a l'occasion ou si un jour une de ses brebis lui posait la question de savoir c'est quoi la Trinité il va se débrouiller à donner une réponse erronée. Donc, comment quelqu'un peut utiliser la Bible pour être un prédicateur sans s'intéresser sur les questions fondamentales, doctrinales des saintes de écritures et de la foi chrétienne. Vous voyez, il faut qu'un prédicateur soit d'abord un apologète. Lorsqu'on parle d'apologète, nous parlons de personnes qui défendent la foi chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu es un prédicateur si tu n'as pas les outils nécessaires pour être un apologète aussi. C'est-à-dire pour faire l'apologétique de la foi chrétienne, pour défendre la foi chrétienne face à ses détracteurs. C'est important. Nous savons tous que la foi chrétienne est au centre de beaucoup de controverses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de religions qui s'attaquent à la foi chrétienne. Il y a par exemple l'islam qui s'attaque ouvertement à la foi chrétienne. Nous le savons tous. Et lorsque vous lisez par exemple l'appendice du Coran en anglais écrit par le docteur Al-Khilali, il dit clairement dans l'appendice du Coran en anglais que si la doctrine de la divinité de Jésus-Christ et la doctrine de la croix peuvent être renversées par les musulmans, alors le christianisme n'aura plus de fondement. Donc, lisez ça, vous pouvez vérifier ça, hein, dans la version anglaise du Coran, et dans l'appendice, son appendice écrit par le docteur Al-Hilali. Donc, vous comprenez clairement que le but euh, de, du musulman, c'est de défaire le christianisme en s'attaquant à la doctrine fondamentale du christianisme, qui est la croix, qui est la Trinité, qui est la divinité de Jésus-Christ. voyez. Donc, si un prédicateur ne peut pas comprendre ces questions qui font le fondement de la foi chrétienne, Comment peux-tu prêcher dans la Bible Et c'est ça le problème. Tu as dit que la Bible est prêchée aujourd'hui par certaines personnes. Je ne dis pas tout le monde. Il y en a qui ont compris Dieu. Il y en a qui sont allés loin avec Dieu. Il y en a qui sont à l'école du Saint-Esprit et qui sont des valeurs, des valeurs indéniables pour l'Église et pour la foi chrétienne aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pleurons la disparition d'un géant en la personne du prophète Tibet Joshua qui a fait une œuvre que personne, c'est-à-dire sa place sera irremplaçable, c'est ça. Dans tous les cas, euh, chacun porte de Dieu un don particulier et personne ne peut remplacer personne, nous nous complétons plutôt. Donc nous bénissons le Seigneur. Pour sa vie, nous célébrons sa vie, mais tout en étant Christ, d'avoir perdu un géant dans l'Église universelle. Donc nous prions que Dieu suscite encore des géants comme lui, ou bien des géants plus que lui. L'Église toute entière se joint à la famille. Moi et ma famille, nous joyons. À sa famille, notre ministère se joint à sa famille pour dire vraiment courage, pour présenter nos condoléances et pour dire qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Ils sont vivants pour l'éternité. Donc nous bénissons le Seigneur pour le prophète Chibid et pour l'œuvre qu'il a accomplie tout au long de sa vie, sa brève vie. Nous aurions tellement aimé l'avoir encore avec nous, mais malheureusement, ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu qui décide. Il est le maître des temps, des saisons et des circonstances. Et personne n'est épargné de cela. Voilà pourquoi chaque être humain devrait être animé d'un sentiment d'humilité. Qui que vous soyez, soyez homme, faites attention à la vie. Ces derniers temps aussi, par l'expérience que nous voyons dans le monde entier, nous comprenons que Dieu est en train d'enseigner à l'Église sa souveraineté. Beaucoup de géants de la foi sont en train de partir. Beaucoup de saints sont rappelés vers le Seigneur. Est-ce un jugement? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je pense que Dieu est en train de nous montrer que la fin des temps est arrivée. Oui, la fin des temps est arrivée. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela et nous nous préparons nous aussi parce que tu ne sais pas eh, quel sera ton tour. Peut-être demain ce sera toi ou bien ce sera moi. Dans tous les cas, chacun de nous devrait être prêt à cet enlèvement. Donc voilà, je disais que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est lorsque la Bible se retrouve entre les mains de personnes qui ne sont pas chiables, de personnes qui n'ont pas un background, qui n'ont pas un bagage de connaissances révélées par le Seigneur Jésus. Maintenant, la compréhension des scènes écritures n'est pas le fruit d'une école de théologie, non. L'école de théologie peut aider, sur le plan intellectuel, à avoir un grand bagage théologique. Mais la révélation spirituelle, la parole de Dieu est un don de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dira, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprise les Écritures. Donc si Dieu n'a pas ouvert votre esprit, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Voilà pourquoi je pense que Dieu veut nous amener loin. Et le thème de ce mois, c'est briser les barrières avec Jésus-Christ. Je vous dis la vérité par le Saint-Esprit dont je suis le serviteur. Dieu veut briser les barrières dans nos vies. Pendant ce mois de juin. Toute barrière dans ta vie, sur tout plan de ta vie, dans tous les champs de prédilection de ta vie, le Seigneur veut s'occuper des barrières dans la vie de son peuple, dans le monde entier. Dieu veut briser et renverser les barrières que l'ennemi a établies devant ta vie et devant ma vie. Vous savez que le rôle des barrières, c'est de t'empêcher d'avancer. Le rôle de la barrière, c'est de t'empêcher d'être l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire que d'empêcher la formation de l'image de Christ en toi. Et le Seigneur veut que je parle à quelqu'un, je veux parler à quelqu'un ce matin. Et je sais que vous êtes très nombreux dans le monde entier, des milliers ont été connectés pendant ce programme et pendant que je méditais eh, vers 4h du matin eh, sur le passage que nous devrions partager ensemble ce matin. Alors, j'ai eu quelque chose à cœur et je pense que vous serez d'accord avec moi. Je voudrais désormais eh, dédicacer cette émission à la révérende prophétesse euh, Mama Shalom Ekane. Voilà qui est retournée dans la gloire du Seigneur. Nous allons appeler euh, cette émission à la lumière des saintes écritures. Voilà. À la lumière des saintes écritures. En sa mémoire, pour honorer sa mémoire. Voilà. Pour ne jamais oublier sa mémoire. Donc cette émission sera appelée, elle est baptisée à la lumière des saintes écritures. En l'honneur de maman Shalom et Kanet. Que Dieu la bénisse où elle est. Elle est déjà bénie dans tous les cas. Donc que Dieu te bénisse au nom de Jésus et bienvenue à la lumière des Saintes Écritures. Voilà, à ton émission, à la lumière des Saintes Écritures. Parce que c'est une émission qu'elle avait initiée par le Saint-Esprit et qui avait eu son envol, qui avait beaucoup impacté euh, plusieurs personnes dans le monde entier, des hommes de Dieu, qui avaient inspiré beaucoup l'Église et nous avons été beaucoup édifiés à travers cette émission. Et donc, euh, je voudrais baptiser cette émission, et je sais que vous êtes d'accord avec moi, à la lumière des saintes écritures. Vous savez, quand elle a commencé à la lumière des saintes écritures, euh, en fait, je ne croyais pas trop à ça. Et elle a commencé, c'était une femme de foi, elle a lancé l'émission et ça a commencé à donner. Bon, maintenant, ça, c'est des histoires qu'on vous raconte comme ça, qui étaient en caméra, quoi. Et quand j'ai vu que l'émission donnait, et je lui ai dit que la mère, pardon, je vais aussi prêcher dans ton émission là-dedans. C'était une négociation avec elle. Et comme c'était une femme extraordinaire, exceptionnelle, elle m'a dit, ok, ça va mon mari, c'est notre émission. Elle m'a dit, ok, vas-y. Elle me laissait aussi comme ça, comme vous me voyez parfois, profiter aussi de son émission à la lumière des Écritures. Donc, je bénis le Seigneur pour sa vie, je bénis Dieu, pour Papa Joshua et pour tous ces saints qui sont retournés vers le Seigneur. Alors, brisez les limites avec Jésus-Christ. Je veux que tu sois attentif, parce que le Seigneur veut nous amener très loin ce matin. Brisez les limites avec Jésus-Christ. Nous allons méditer ensemble, c'est un verset biblique. Bon, je vais lire un verset en hébreu, je vais expliquer pour mieux comprendre en français, puis on va aller avec les textes français. Donald, hier, c'était euh, le texte de Michée chapitre 7, verset 11. C'est le texte de base. Michée chapitre 7, le verset 11. S'il te plaît, écoute-moi bien parce que cette journée sera bénie pour toi. Pas seulement la journée, mais ta vie toute entière. La manière dont tu commences une journée détermine comment elle sera. Donc, nous sommes en train de mettre la fondation de ces journées. Et Dieu te donnera la prospérité au lieu de travail, il te protégera. Cette parole te protégera. Elle te purifiera. Elle te lavera de tout péché. Parce que c'est sa parole qui nous lave de nos péchés. La Bible dit déjà, vous êtes pur à cause de cette parole que je vous ai annoncées. Donc, il dit si vous écoutez ce moment, vous êtes déjà pur. Avant, il faut raison lorsque vous la mettrez en pratique. Donc, tu es déjà pur à cause de cette parole que tu es en train d'écouter. Tu es déjà béni. À cause de cette parole. ta journée est déjà bénie. Au marché, tu es béni. Au bureau, tu es béni. À l'école, tu es béni. Dans ton voyage, tu es béni. Partout, où tu seras. Tu ressentiras la grâce de cette parole. Te distinguer, selon ce qui est écrit. Mon bien-aimé se distingue entre les dix mille. Alors, qu'est-ce que Michel dit Le prophète, La Bible dit Dieu parlera par la bouche du prophète Michel. Et il dit ceci. Il dit Il dit, il dit Le jour du rebâtissement. De ces murs qui t'appartiennent. Yo'um o yir hak, Oh mon Dieu. Il dit tes limites seront repoussées par décret. Écoutez bien, c'est pour ça que je voulais lire ça en hébreu. Il dit Yo'um, likna'ut gederaïk. Le jour où ces murailles ci qui t'appartiennent. Voilà ce que l'hébreu dit. Il dit Yo'um, o Yirhak seront repoussées, elles seront repoussées par décret. Yoom haou Yirhak hok. Elles seront repoussées par décret. Donc, c'est la précision repoussée par décret que j'ai voulu partager avec vous. On va revenir à cela. Maintenant, quand vous lisez le texte en français, il dit Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Bon, maintenant, nous savons que hok en hébreu veut dire décret. Donc, tes murs tes murs seront reculés, tes limites seront reculées par un décret divin. Écoutez frère, je vous ai expliqué quelque chose hier quand je parlais. La marche avec Dieu est une histoire que chacun écrit avec le Seigneur et le monde nous regarde. Mais il faut savoir que dans cette marche avec Dieu, il y a des moments où nos murailles sont renversées. Il y a des temps où tes murailles sont renversées. Et le renversement des murailles peut avoir deux explications. Premièrement, ça peut être Dieu lui-même qui renverse cette murailles pour que ta nudité soit exposée, pour que le cœur soit exposé. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se manifester à vous tant que vous ne traversez pas un moment de détresse. Donc, le moment de détresse, de détresse peut venir de Dieu lui-même. Donc, Dieu peut être lui-même à l'origine d'un temps de détresse, d'une souffrance, d'un problème. Et ces problèmes-là, généralement, arrivent. Vous savez que la ville est entourée par des murailles. Lorsque la muraille est renversée, on voit directement la ville, donc on voit la nudité de la ville. C'est qui couvrait la ville, parce que quand il y a une muraille, on ne connaît pas ce qui se passe dans une ville. Donc la muraille ici représente la sécurité. La muraille représente la sécurité, une barrière dans tous les cas qui empêche de voir ce qui se passe dans la ville. Mais lorsque les murailles sont renversées, désormais il n'y a plus de secret. Donc ça veut dire que Dieu expose ta nudité. C'est une situation qui expose ta nudité, une situation de faiblesse. Une situation qui pousse les gens à parler, à dire quelque chose, soit en bien, soit en mal. Or, vous savez une chose une ville, pour qu'elle fonctionne, doit fonctionner dans la sécurité totale. Or, il faudrait savoir qui est pour la ville, qui est contre la ville. C'est la même chose. La ville représente ta vie, et il faut comprendre que la muraille représente ce qui faisait ta gloire, ta fierté, ce qui amenait les gens à t'aimer, à s'identifier à toi. Parfois, Dieu enlève cette chose-là pour que les gens parlent autour de toi. Donc il y a des situations qui obligent les gens à parler. Alors, nous parlons de briser les limites avec Jésus-Christ. Donc Dieu veut élargir tes limites. Mais avant d'élargir tes limites, il faut d'abord que tes anciennes murailles soient renversées. Pourquoi Parce que lorsque tu entres dans de nouvelles limites, ça signifie une nouvelle dispensation. C'est une nouvelle marche avec Dieu. C'est un nouveau niveau. Un nouveau niveau, ça veut dire que c'est de nouvelles bénédictions. C'est de nouvelles expériences dans ta vie avec Dieu, dans ta vie personnelle en tant qu'humain sur la Terre. C'est de nouvelles grâces, c'est de nouvelles élévations, de nouveaux témoignages dans ta vie. Dans tous les cas, ta vie entre dans une ère nouvelle. Mais pour que ta vie entre dans une ère nouvelle, Dieu renverse d'abord tes murailles. Pourquoi Parce que tu ne dois pas entrer dans la nouvelle ère, dans l'autre dimension, avec des personnes qui ne sont pas pour toi, qui sont là pour ce que tu produis et non pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Oui, C'est important. Donc ça montre que Dieu est très intéressé sur qui t'accompagne dans ta nouvelle dimension lorsque tes limites seront repoussées. Pour que les limites soient repoussées, les murailles, les anciennes murailles doivent avoir été rebâties. Alors immédiatement, ça me fait penser à quelque chose. laissez moi vous expliquer. La Bible dit par exemple que quand on lit 2 Corinthiens 5, elle dit ⁇ en Christo, ta Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création en Christ. Il dit, les choses anciennes sont passées. Et il dit, Idou, Kahine. Et voici, chaque chose est devenue nouvelle. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit Le Saint-Esprit, par Paul, explique ceci. Il dit que si quelqu'un devient une nouvelle créature, les choses anciennes doivent passer automatiquement. Donc, vous voyez que pour Dieu, c'est important. Lorsque tu entres dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension, les anciennes choses qui t'accompagnaient là, Dieu doit les ressasser, Dieu doit les tamiser. Pour que ce qui est mauvais, ce qui a en soi la semence du mal, ne te rattrape pas dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle expérience avec Dieu. Pour que tous ceux qui n'ont pas le cœur droit devant le Seigneur, tous ceux qui ne t'aiment pas sincèrement, ne puissent pas entrer dans cette nouvelle dimension, qu'ils ne bénéficient pas de ces nouvelles dimensions. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 17 explique que lorsque quelqu'un naît de nouveau, dans sa nouvelle vie, dans cette vie de nouvelle naissance, rien d'ancien n'entre. Il dit, ido Gego Ça veut dire quoi? Et voici. Toutes les choses qui doivent être en contact avec cette personne qui est née de nouveau doivent aussi naître de nouveau. Donc, la nouvelle naissance n'est pas seulement pour l'homme qui naît de nouveau, mais chaque chose qui doit entrer dans sa vie doit aussi naître de nouveau. Dieu impose aussi la nouvelle naissance à chaque événement, à chaque situation, à chaque circonstance qui doit être en contact avec la vie de cette personne. Donc, tu nais de nouveau et Dieu oblige aux événements et aux circonstances qui doivent Entrer en contact avec toi, la nouvelle naissance aussi, pour que tout soit neuf. Voilà pourquoi Jésus Christ, dans la parabole de l'outre, dira que on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Non, on verse du vin nouveau dans des outres neuves. Comme pour dire quoi? Si le vin est neuf, Dieu exigera aussi que les autres soient neufs. Il y a un mystère en cela. Il y a un grand mystère en cela. Et c'est pour cela que quand vous lisez Michel, chapitre 7, le verset 11, vous comprendrez bien ce que Dieu veut dire. Lorsque Dieu veut t'élever, lorsque Dieu t'introduit dans la saison nouvelle, Dieu ne laisse pas que les anciennes choses te poursuivent là-bas. Non. Les expériences négatives, les choses nauséabondes de ton passé là, Dieu ne leur permettra plus de te rattraper. Non. Dieu va mettre une barrière. Il empêchera que ces choses-là hantent dans ta gloire empêchera que les personnes qui n'étaient pas vraies avec toi, mais qui avaient quand même pu infiltrer ta vie passée, ne puissent plus atteindre ta nouvelle vie. Dieu sera juif parce qu'il est jaloux de la gloire qu'il te donne. Je vous dis la vérité. Le mois de juin sera un mois de gloire. Un mois où le Seigneur t'amènera dans des dimensions inexplorées. Dieu te fera vivre des choses qui te feront pleurer. Pas pleurer de soucis, mais pleurer de joie. Parce que tu te demanderas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Écrivez ça, ça va arriver. Je vous ai dit que je suis pas la même, personne, la même personne, je suis pas le même homme. Je suis venu avec un nouveau mandat. Dieu te fera pleurer de joie pendant ce mois de juin. Dans ton lieu de service, Dieu va t'étonner. Il y a des personnes qui verront le témoignage de Dieu. Dans leur lieu de service, Dieu exposera les personnes qui ne t'aimaient pas. Toute personne qui sourit avec toi et dont le cœur n'est pas tout entier avec toi. C'est des personnes qui sont pour toi comme les frères de Joseph. Oui, oui, oui. Mais qui te tendaient des embûches. Le mois, ne finit pas sans que Dieu ne les ait exposés. Et tu sauras que le Seigneur t'a aimé. Qu'il t'appelle son bien-aimé et que tu es au milieu du cœur du Seigneur comme un bouquet de fleurs, qu'il t'aime d'un amour insondable. Dieu exposera nos ennemis pendant ce mois de juin. Dieu brisera les barrières autour de nous. Et donc, vous voyez, Dieu renverse les barrières. Et quand Dieu renverse les barrières, c'est pour les rebâtir. Et quand vous lisez dans le texte en hébreu où on a lu, la Bible dit qu'il dit Au jour où l'éternel rebâtira tes murailles, au jour où tes murailles seront rebâties. Donc, ça veut dire quoi avant même que tes murailles ne soient détruites, il y avait une autre date que Dieu avait réservée déjà pour rebâtir tes murailles. Je veux dire à quelqu'un dont les murailles ont été détruites, l'Éternel a réservé un jour pour rebâtir tes murailles. La honte ne durera pas toujours dans ta vie. Non. Les pleurs ne dureront pas pour toujours. Non. Il y a une limite à ces pleurs. Il y a une limite à la lamentation, à l'échec, au blocage dans ta vie. Il y a une limite à cette malédiction. Il y a une limite à ce qui te fait pleurer. Dieu me dit de prophétiser dans la vie de quelqu'un et de t'annoncer qu'il y a un jour, il y a une date dans l'agenda de Dieu pour rebâtir tes murailles et aujourd'hui, ce jour est accompli. Oh, hallelujah! Quelqu'un dit Amen où il est. Dans ta vie sentimentale, dans ta marche avec Dieu, dans ton ministère, dans tes rapports avec les autres, dans ta famille, l'Éternel me dit de dire à quelqu'un, d'apporter cette bonne nouvelle à quelqu'un. Le temps est venu où Dieu veut rebâtir tes murailles. Les gens ont vu tes murailles détruites. Les gens ont parlé, les gens ont dit, les gens ont exprimé tout ce qu'ils avaient. Et Dieu est tranquille. Et toi aussi, dans cette détresse, tu te sentais dans l'insécurité. Aucun secours, ni à gauche, ni à droite. Vous savez, frère, Dieu t'a détruit tes murailles. C'est important. Tu dois expérimenter la destruction des anciennes murailles. Parce que si tes anciennes murailles ne sont pas détruites, de nouvelles murailles ne viendront pas pour toi. Qu'est-ce que Job dit? Lorsque Dieu a détruit les murailles de la vie de Job, Job, quand vous lisez le livre de Job, je vous dis la vérité, vous pleurerez. Job dit que ses amis l'ont abandonné, sa propre famille l'a abandonné, et Job dit que même ses serviteurs qui le respectaient parce qu'il avait ont commencé à le mépriser. Et Job explique que dans la grande maison là, tout le monde est parti sauf sa femme est restée, sauf sa femme. Qu'est-ce que ça voulait dire, frère? Job qui pensait qu'il était aimé, hein? il était assis à la porte, lui-même le dit, qui s'assied à la porte de la ville, tout le monde lui disait bienheureux, les gens, les gens l'enviaient. Les gens lui donnaient des, 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 des gloires. On le glorifiait, on le louangeait, on le célébrait. Mais quand le malheur est arrivé, quand ces murailles ont été renversées, piam, comimim, tout le monde a disparu. Ça veut dire quoi Job a découvert qu'en fait, toutes ces personnes qui l'entouraient, c'était à cause de sa richesse. Personne ne l'aimait. La seule personne qui aimait Job, c'était sa femme. La seule personne qui aimait Job, c'était sa femme. Frère Parfois, nous nous appuyons sur des personnes qui n'ont rien à foutre avec nous, qui n'ont rien à cirer avec nous, qui sont là parce qu'elles mangent, qui sont là parce qu'elles boivent, qui sont là parce que ton poste peut quand même résoudre un problème. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être tu m'écoutes et tu es un commissaire de police. Je donne un exemple banal comme celui-là. Hein. Tu es un commissaire de police. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à toi. Oui, mon commissaire, on te salue. On t'appelle. C'est comment, mon commissaire On te fait des enveloppes. On te fait des dons. On te fait des cadeaux. Mais demande-toi, le jour où j'irai en retraite, est-ce que j'aurai ces mêmes appels Est-ce que j'aurai ces mêmes dons Est-ce que j'aurai ces mêmes cadeaux Peut-être tu es marié. Avant, quand tu n'avais pas ta famille, était un sujet de honte. On vous insultait. On vous raillait. Toute ta famille vous méprisait. Tout le monde disait du mal de vous. Ah, c'est une famille maudite. On vous avait dit que les filles là, c'est des prostituées. On vous insultait de toutes les insultes qui peuvent se citer sous le soleil et parmi les vivants. Maintenant, Dieu t'a donné un bon mari et puis une bonne position, et tu es riche. Aujourd'hui, ta vie a changé, tout est bien pour toi, vous avez l'argent, de belles maisons, vos affaires sont en train d'aller, sur le plan financier, vous êtes béni, etc. Mais, cependant, tu vas remarquer, tu as remarqué que ta famille, ceux qui t'insultent, ont oublié il hein, n'y a même pas la honte dedans. Maintenant, ils viennent chez toi. Oh, tante, on oh, t'appelles Tantine. ceux qui t'appellent prostituée, t'appelles tante, t'appelles tata, mais en réalité, il faut comprendre que ce n'est pas que tu es tata ou bien que tu es tantine. C'est que ton argent, euh, c'est ton argent qui te donne le nom de tata ou bien de tantine. C'est ta position qui te donne le nom de tata et de tantine. Écoutez, c'est dangereux d'être accompagné de personnes qui s'attachent à vous à cause de votre position. C'est mieux d'avoir des personnes qui s'attachent à vous à cause de votre être, votre valeur intrinsèque et non extrinsèque. C'est important, frère. Je me souviens qu'une fois, j'ai appelé certains amis des hommes de Dieu et je leur ai dit écoutez, Vraiment, je suis fatigué d'avoir pour amis des personnes qui m'appellent toujours pour poser un problème. Et c'est vrai. C'est-à-dire que c'était rare et c'est rare encore aujourd'hui pour moi d'avoir des appels d'une personne qui dit seulement Ok, prophète, je voulais savoir comment vous allez, comment est-ce vous vous portez, voilà, que Dieu vous bénisse, bonne journée. Non, c'est toujours à la fin, il y aura un problème, il y aura toujours une demande. Ce genre de relation, ce n'est pas des relations. Non, ce n'est pas des relations. Ces personnes ne sont pas des bénédictions pour vous. Non, elles ne sont pas des bénédictions pour vous. Elles ont leurs intérêts. Vous voyez, et vous ne pouvez pas faire votre vie avec ce genre de personnes. Et je me souviens que j'avais appelé mes, mes frères et j'avais dit que j'ai aussi besoin de personnes qui me rendent visite juste pour me rendre visite parce que je lui ai manqué. Qui veut passer un moment agréable avec moi, qui veut venir prier avec moi, méditer avec moi, me consoler, me fortifier et s'en aller sans rien me demander. C'est là la vraie amitié, c'est ça. Même si la personne manque de quoi que ce soit. Elle manque de tout. Elle arrive chez toi, tu as tout, mais elle ne te demande rien. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas ton bien qui est la motivation de son amitié, mais c'est juste ta personne qu'elle aime. Ta présence, elle aime ta présence. Elle aime la personne que tu es, tes valeurs intrinsèques. C'est ça qui intéresse cette personne. C'est ça, la véritable amitié. Mais la plupart du temps, je vous dis la vérité, et vous devez savoir que quand Dieu vous bénit, en réalité, la plupart du temps, ceux qui sont avec vous ne sont pas là pour votre bien. Donc, il est important que tes murailles être détruite, vous voyez. Il est important que tes mirages soient détruites. Il y a des malheurs que Dieu introduit dans ta vie exprès, pour que tu entendes toi-même. Parce qu'il y a parfois, Dieu te dit que telle personne-là, c'est ton ennemi, tu dis, ah non, Seigneur, toi aussi, oh, père, tu te déranges. Telle personne, non, c'est pas pour que c'est mon ami, ou bien c'est ma soeur en Christ, ou bien c'est ma soeur, même un père. Non. Dieu lit les cœurs, nous ne lisons pas les cœurs. Toi, tu ne lis pas les cœurs, moi, je ne lis pas les cœurs. Nous nous fions au sourire. Le sourire n'est pas le cœur le sourire ne reflète pas toujours les réalités du cœur, frère. Non! Moi, j'ai compris ces choses. Non! Le sourire, la gentillesse, non! Dieu, Écoutez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Dieu est tellement sage. Et je t'exhorte à te fier à la sagesse de Dieu. Je prie que la sagesse du Saint-Esprit te soit donnée. La vie, si, n'est pas simple comme tu penses. La vie, si, n'est pas simple comme tu penses. L'homme, n'est pas simple comme tu penses. Vous savez que le philosophe euh, Diogène Laërce? marchait en plein jour avec la lampe. On lui a demandé, mais tu cherches quoi Il a dit, je cherche l'homme. Je cherche l'homme. Je veux connaître qui est l'homme. Je ne connais pas l'homme. Tu ne peux pas imaginer que parfois, frère, ton ennemi, c'est quelqu'un que tu ne peux pas croire. Si on te dit ça, tu auras l'AVC. Et donc, pour que Dieu ne te perde pas par un AVC, Dieu renverse les murailles de ta vie. Dieu crée une situation. Une situation où les gens pensent que pour toi, c'est fini. Une situation où les gens se disent que tu ne peux pas t'en sortir. Une situation où Dieu sait que tu... C'est-à-dire les gens se disent que tu ne t'en relèveras pas. Et donc, puisque les gens savent que tu ne pourras pas te relever pour parler après cette situation, il dit, Ah, parlons Puis après ça, il ne sera plus, bien elle ne sera plus. Alors, Dieu permet cela. Et Dieu commence à te montrer les cœurs. Les gens commencent à parler. Les gens commencent à dire, ceux qui avaient la moquerie cassée en eux commencent à se moquer, à se moquer. Ceux qui avaient la haine de ta personne cassée en eux. Ceux qui disaient, ah, ils, ils, ils meurent même, même, non Hein? Quelqu'un meurt même, non, dis donc. Elle va encore vivre jusqu'à quand Mon soeur, c'est qu'elle meurt. Il y a des gens qui souhaitent que tu meures, mais qui sourient avec toi. Je m'excuse. Hein? Ça peut être dans ta propre famille, tes propres soeurs, tes propres frères, tes propres parents. On a vu. Ça peut être n'importe qui, à n'importe quel moment. Il est important que Dieu renverse les murailles de ta vie. Mais il faut savoir aussi une chose. Dieu est fidèle. Dieu ne manque pas. Ça fait plus de 27 ans que je suis serviteur de Dieu, que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu... Ne m'a jamais trompé. Dieu n'a jamais été infidèle. Au contraire, c'est moi qui ai été infidèle parfois. Ça c'est vrai. Je n'ai pas toujours été fidèle. Je n'ai pas toujours rempli mon contrat devant le Seigneur. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de la responsabilité que Dieu m'a donnée. Mais Il a toujours veillé sur moi comme un bon père veille sur son enfant, sachant que en chaque saison, Il m'apporte une compréhension pour mieux comprendre les choses que je ne comprenais pas hier. Et donc je grandis. Je me soumets à Son école. Je me soumets. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les hommes peuvent vous décevoir. Qui parmi nous n'a jamais été déçu par les hommes? Moi-même, je peux te décevoir. C'est la vérité. Je peux te décevoir, comme toi aussi, tu peux me décevoir, parce que nous sommes des humains. Mais Dieu est le seul en qui tu peux te confier à 100%, sans rien craindre. Laisse-moi t'assurer, ça fait 27 ans que je marche avec Jésus-Christ. Il ne te décevra jamais. Fais-lui confiance totalement. Même si les murailles sont détruites, tes murailles sont renversées. Tu sens que tu es dans l'insécurité. Tout le monde t'insulte. Tout le monde se moque de toi. Ne parle pas. Ne parle pas. Dieu, dans sa sagesse, a réservé quelque chose de puissant pour toi après. Ne parle pas. Non, non. Les mêmes murailles qui ont été renversées, qui les ont poussées à parler, Dieu rebâtira des murailles pour toi qui vont fermer leur bouche. La Bible dit que Dieu rebâtira en hébreu. Il rebâtira tes murailles, pas des décrets divins. Il donnera des décrets. Il y a des décrets qu'il donnera à ses anges. Et on rebâtira tes murailles. Mais il dit on ne rebâtit pas. Dieu ne rebâtit jamais tes murailles. On limite aux anciennes limites, sur les anciennes bornes. Non. Il repousse tes limites. Il rebâtit tes murailles sur de nouvelles bornes. Il repousse tes limites. Il élargit ta grâce. Il élargit sa faveur dans ta vie. Il multiplie sa bénédiction dans ta vie. Dans tous les cas, tu reviens plus fort. Tu reviens plus glorieux. Tu reviens plus puissant. Ton témoignage ébranle tes ennemis. Même tes amis sont étourdis par ton témoignage. Pourquoi Parce que Dieu repousse. Tes limites, il ne rebâtit jamais les murailles de ta vie sur les anciennes bornes. Il ne rebâtit jamais. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Supposons que tu étais marié. Et puis ta famille, les gens sont venus. Oh, ceux qui se moquaient de toi sont revenus. Oh, tantine, tonton, etc. On t'a donné tous les petits noms pour te flatter, bandé d'hypocrites qu'ils soient. Et que finalement tu divorces. Et oui, Dieu peut permettre ça, frère. Et que tu divorces. Et ça arrive. Qui a un divorce? Et puis les gens, je parle comme un homme mature, hein, à des personnes matures. Et puis, les gens, comment, oh, oh on avait dit, elle croyait même que quoi. Hein? Voilà, elle se vantait même ici, non? Hein? Elle se vantait. C'est pour cela, voilà. Maintenant, elle n'est plus mariée, elle est retombée dans le célibat comme nous. Parce que tu étais marié, tu étais peut-être marié, je ne sais pas, à quelqu'un qui avait quand même un peu de moyens, vous avez quand même un duplex, etc., etc. Et puis les gens ont commencé à se moquer. Et tu vas rester, tu vas dire attention. Mais, ma cousine, si c'est moi qui ai envoyé ses enfants à l'école. Elle venait laver le sol de ma maison. Aujourd'hui, je ne vais pas dire, là? Tu m'appelles lui, Tata. Il t'appelle Tata quoi? Tata de tata mon œil. Tu es tata de qui? Tu peux être ma tata. là? Tu dis c'est ce n'est pas possible. Tel, c'est moi qui envoie ses enfants à l'école. L'autre, c'est moi qui ai fait que son enfant aille en Europe. Vous n'avez jamais vécu cela. C'est ça l'homme. Et Dieu te laisse voir cela. Parce qu'il pense que ta part est finie et que tu vas mourir dans ces conditions. Dieu est en train entre temps, pendant qu'il parle, Dieu est en train d'élargir tes bornes. On déplace tes bornes par des décrets divins. Pas des hocs en hébreu, qui signifient des décrets. Dieu parle sur son trône. Il écrit un décret. Il met son seau dessus et il envoie des anges. Il y a un nouveau chantier dans ta vie. Je vois un nouveau chantier dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu crois que tu es abandonné? Tu crois que tu es fini? Tu crois que tu es tombé? Non, tu n'es pas tombé. Laisse ton ennemi croire cela. Mais je te dis la vérité. Les anges sont en train de déplacer les bornes de ta vie. Lorsque Dieu ramène donc quelqu'un d'autre bien t'aimer. Cette fois-ci, c'est plus pour un duplex, etc. Un président d'une république vient et il te prend. C'est un exemple que je donne. Et maintenant, tu deviens la première dame de la nation. Les gens disent que c'est pas possible. Et les gens auront honte et peur parce qu'ils ont dit des choses. Et maintenant, tu es dans une situation de force. C'est ça que Dieu veut faire. C'est de ça qu'il est question dans Michel 7, verset 11. L'éternel, il dit Lorsque l'éternel rebâtira nos murailles, oh mon Dieu, il dit Le jour où l'on rebâtira tes murs, oh, oh Seigneur, je ne sais pas si les gens comprennent comme je comprends. Il dit Le jour où l'on rebâtira tes murs. Le jour où l'on rebâtira tes murs. Donc il y a un jour pour rebâtir tes murs. Je vais annoncer à quelqu'un Le jour est venu. J'entends le travail des anges. J'entends des pierres être déplacées. J'entends tes bornes être déplacées. La tête tremble sous le pied de ta destinée. Il y a quelque chose de terrible que Dieu fera ce mois de juin dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Toi qui as subi la moquerie. Toi qui as été abandonné. Toi qui as été méprisé à cause du témoignage de Jésus Christ. Et qui est resté fidèle. Qui a gardé le silence. Qui a cru en ton Dieu. C'est ça aussi l'important. Continue de croire même si c'est mauvais comment Crois Même si c'est dur comment Crois Lorsque tu penses mais que Dieu lui t'a abandonné, parce que Dieu est occupé à rebâtir tes lumières. Il est occupé à repousser tes bornes. C'est pour cela que parfois, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence, mais le silence de Dieu est la deuxième forme de sa présence. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas les siens. Et je me répète, Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui gardent le silence au jour du malheur. Dieu n'abandonne pas ses enfants. c'est pas possible. Dieu ne t'a pas abandonné. Cesse de pleurer. S'il te plaît, crois que Dieu est en train de faire une œuvre dans le secret en ta faveur. Dieu veut cependant que tu saches qui est qui. Entre-temps, écoute le bruit ici que je suis en train d'entendre. N'entends-tu pas Les pierres, les bornes de ta vie, comment on a t les arracher Les armes les arrachent pour les déplacer, les repoussent. Ils élargissent ton royaume, ils élargissent ta grâce, ils élargissent ton règne, ils élargissent ta bénédiction. Pourquoi Parce que au jour de ta restauration, qui est le jour du rebâtissement de tes murailles, non, tu ne seras pas la même personne. Non, tu ne seras pas la même personne. Ta vie ne sera pas la même. Ton niveau ne sera plus le même. Fais confiance en Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à sa générations Ayez foi en Dieu. Frère, ayons foi en Dieu. Vous savez que lorsque mon épouse est retournée vers le Seigneur, ça a été le plus grand choc de ma vie. Et c'est le plus grand choc de ma vie. C'est la plus grande expérience. Ça dit qu'il y a le plus grand malheur qui me soit arrivé. Ma propre mort ne sera pas... Et ça dit que ma propre mort ne me posera pas de problème comme la mort de ma femme. C'est la chose la plus précieuse de ma vie qui est partie. Je ne cesserai jamais de le dire. Vous voyez. Mais c'est des murailles qui ont été renversées. Dieu m'a mis dans une position de faiblesse. Et ça a permis aux gens de parler. Les gens se sont exprimés. Et je n'ai pas répondu. Je suis resté dans le calme. Les gens ont dit des choses. Et ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et ce que je vous dis, c'est un message par expérience. J'ai compris beaucoup de choses. Des personnes que j'ai aimées, des personnes que j'ai même pris comme des pères dans cette nation, m'ont abandonné. On fait des postes contre moi. Vous voyez, c'est ça la vérité. Des papa où j'allais. C'est-à-dire que je prends ma malle, je remplis ma voiture, je vais chez mon papa. Je dis que c'est un fils qui va vers son père. Je vais là-bas. Et puis, je vais donner des cadeaux. Mais après, la mort de ma femme, certains d'entre eux font des postes contre moi qui a des francs-maçons qui sacrifient leurs femmes, Dieu va les exposer. Sincèrement, frère. Et en ce moment-là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Dieu t'a exposé à tes ennemis. Dieu t'a livré entre leurs mains. Dieu te laisse. Il a renversé tes murailles. Il te met dans une situation où chacun doit dire. Tu ne parles pas. Si quelqu'un t'insulte, oh, il t'insulte. Ceux qui doivent se moquer de toi se moquent de toi. Ceux qui doivent parler en ta faveur, parlent en ta faveur. Ceux qui avaient les choses dans leur ventre sortent ça. Même dans l'église. Dans notre propre assemblée, il y a des femmes, des soeurs, qui ont dit des choses. Même venir chez moi, ça veut dire m'insulter à la maison. venir pour le deuil, pas pour pleurer. Les gens venaient pour se moquer. Il y en a qui sont venus pour se moquer. C'est ça la vérité. J'ai reçu les hommes de Dieu. Au début, je recevais les hommes de Dieu dans mon salon. À la fin, là, je recevais plus les gens dans le salon. Je recevais dehors. Pourquoi? Parce que ça me revenait. Ce que les gens disaient sur leur pupitre me concernant. Je fais comment? Tu ne fais rien. Mais tu gardes le silence, tu ouvres les oreilles. Tu fermes la bouche, tu ouvres les oreilles, et tu ouvres tes yeux et tu vois. Dieu te dit Regarde, alors, écoute alors toi-même. Voilà telle personne. Voilà telle personne que tu prenais comme ton ami ou bien comme ton père, comme ton frère. Écoute, sur Facebook, regarde les publications. Les gens ont cru que c'était fini pour moi. Ce n'était pas fini. Non, Dieu était en train de commencer pour moi. C'est-à-dire que quand Dieu renverse les murailles, l'ennemi prend ça comme un avantage. Il prend ça comme un atout. Il prend ça comme une faiblesse. Mais il ne comprend pas que Dieu renverse les murailles là parce que c'est un peu ton niveau. C'est un peu ton niveau de protection. Les murailles là ne respectent plus la richesse de la nouvelle dimension que Dieu t'amène. Dieu renverse. On ne peut pas construire une muraille sur une autre muraille, autour d'une autre muraille. Non. Pour construire une nouvelle muraille, il faut renverser les anciennes murailles. Donc ça veut dire que c'est un lot de bénédiction que Dieu jugeait que non. Ça, ce n'est plus, ça ne te mérite plus. C'est un lot de grâce que Dieu dit non, ça ne te mérite plus. Et il renverse ça. Mais l'ennemi, lui, voit plutôt que Dieu t'a abandonné. Et entre-temps, il ne sait pas que pendant qu'il bavarde, il faut se faire des paroles. Il, il, il souffre de la logorée qui est la diarrhée verbale. Dieu, les anges sont dans le chantier, de ta vie est le chantier de Dieu. Parce que tu es un projet divin. Des bornes sont en train d'être repoussées. L'ennemi bavarde, il bavarde, il Et maintenant, lorsque on commence à rebâtir les murailles, d'abord, ces nouvelles murailles ne ressemblent en rien aux anciennes murailles. Elles sont imposantes. Elles sont gargantuesques. Elles sont comme des mammouths. Elles sont énormes. Elles imposent le respect. Quand quelqu'un voit la muraille là, il dit, c'est mon respect. On te donne le chapeau. C'est ça le vœu de l'éternel. Et je vous dis la vérité, si vous croyez que Dieu m'a appelé et m'a oué comme prophète pour parler sa parole dans votre vie, le mois-ci ne finira pas sans que tu ne vis la main de Dieu repousser les limites de ta vie dans ton lieu de travail. Des promotions extraordinaires et inattendues. C'est-à-dire que Dieu va... Dieu va nous gifler avec des grâces et des bénédictions. Dieu va gifler aussi nos ennemis par notre élévation. Dieu va surprendre les gens. Nos enfants seront surpris. Je vous parle par l'éternel, mon Dieu. Nos enfants seront surpris. Tu seras surpris. Dans ton foyer, tu seras surpris. Chaque domaine de ta vie où les murailles ont été renversées, tu seras surpris. Je te dis la vérité. La muraille que tu vas bâtir, les choses que Dieu veut faire réaliser par son peuple, dans ces nations, il faut avoir vu ces choses. Et avoir la foi pour croire que ces choses vont arriver au Cameroun, dans l'église du Cameroun. Les hommes de Dieu dans ce pays, Dieu va les élever. Les enfants de Dieu sont peuple. Tout est tendu dans les nations de la terre. Dieu veut donner autorité à son église. Vous savez quoi, regardez frère. L'autorité spirituelle ne remplacera pas l'autorité financière ni l'autorité matérielle. L'église a l'autorité spirituelle, mais l'autorité financière et matérielle, on n'a pas. Et c'est cette autorité que Dieu est en train de remettre entre les mains de son peuple. Il dit, Il se donnerait les clés du royaume des cieux. Dieu est en train de donner les clés de la richesse, les clés de la domination financière et matérielle. Quand vous regardez au Nigeria, l'église est loin là-bas, les hommes de Dieu sont loin, le peuple de Dieu est loin, les gouvernements respectent papa David Ouedepo quand il se met... Il parle au président, ça dit qu'il gronde le président. Le président ne peut pas réagir. Pourquoi Parce qu'à lui seul, il influence l'économie du Nigeria. La même chose pour papa Adiboye, etc., etc. Donc il s'agit de ça. C'est des chrétiens comme nous, c'est des croyants comme nous, qui partagent la même foi que nous, qui croient au même Jésus-Christ que nous, qui servent le même Dieu que nous. Mais pourquoi leur condition est meilleure que la nôtre Au Cameroun, l'église de Dieu au Cameroun est en arrière. Les hommes de Dieu au Cameroun, c'est-à-dire que nous sommes, et l'église aussi, tellement, la pauvreté nous a tellement enseveli dans notre mentalité que lorsque tu es un homme de Dieu ou bien un enfant de Dieu, achète une voiture congelée, c'est-à-dire occasion, on dit que c'est la sorcellerie. C'est-à-dire au Cameroun pour le moment, tu ne peux pas acheter la voiture et ce n'est pas bénédiction. Quand quelqu'un construit une belle maison, quelle belle maison même, quand quelqu'un construit un semblant de maison, on dit qu'il a vendu quelqu'un, c'est la sorcellerie. Voilà la mentalité de l'église au Cameroun. Lorsque Dieu amène dans l'église une sœur, elle est brune, elle est belle, elle est jolie. On dit que c'est Jézabel. Voilà un peu la mentalité dans laquelle nous sommes. Donnez en arrière. Mais le travail ici, nous, à qui Dieu a donné la responsabilité d'enseigner son peuple. Frère, nous devons le faire. Et moi, j'ai pris l'engagement qu'on m'insulte, qu'on fasse n'importe quel genre de, de report sur ma personne. Je m'en fous. Mais je vais enseigner les choses que Dieu m'a dit d'enseigner. Pas enseigner pour faire plaisir aux gens, mais pour apporter un héritage à l'église. Et je sais. Que après ma mort, les gens reconnaîtront. Voilà Papa Tibi Joshua qui est mort. Car vivant, Dieu s'est sorti. Aujourd'hui, toute l'Église est unanime que c'est un homme de Dieu qui est mort. Mais faire faut, faut attention, ne soyez pas hypocrites. S'il faut reconnaître vos héros, reconnaissez-nous quand nous sommes vivants. Mais nous vous enseignerons ces sujets-là, ces sujets délicats, ces sujets importants pour le changement de mentalité et de dispensation dans l'église de Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier et en Afrique. Nous vous enseignerons ces choses. Nous parlerons de ces choses que beaucoup de prédicateurs ne veulent pas aborder parce qu'ils ne veulent pas que leur image, ils ne veulent pas être sacrifiés. Nous sommes de la génération sacrifiée, nous n'avons peur de rien. Nous parlerons. Vous insulterez, mais nous parlerons. Mais ça vous fera du bien après. Vous comprendrez qu'en face... On vous a trompé. Ceux qui pensent veulent vous faire croire que nous vous trompons, ce sont eux qui veulent votre mal et qui vous trompent. Nous allons vous parler. Et chacun, comme les chrétiens de Béret, prendra le temps et la responsabilité personnelle d'aller sonder les écritures pour voir si ce que nous disons n'est pas de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Mais il est, il faut savoir une chose. Il y a une grande gloire qui vient dans la vie des hommes de Dieu dans ce pays. Je vous dis la vérité. Il y des hommes de Dieu qui seront des milliardaires dans ces nations. Le peuple de Dieu, il y aura des milliardaires dans ces nations. Dieu nous donne autorité et domination. C'est cette domination dont il est question aujourd'hui. Dieu doit donner à l'église du Cameroun cette domination, c'est important. Parce que l'église aujourd'hui est méprisée, parce que nous n'avons des infrastructures, par exemple. Au Nigeria, les églises ont des universités, ont des écoles, ont des collèges, ont des hôpitaux, ont des grands hôtels ont des grandes sociétés, des mines d'or, des mines de diamants, ont des stations de pétrole. Écoutez, si nous atteignons ce niveau, le gouvernement ne peut plus parler n'importe comment parce que nous sommes impliqués dans l'économie de la nation. Imagine-toi que tu sois un milliardaire comme François Victor. Regardez François Victor, il était respecté par le président de la République. C'était un ami du président de la République. Tu penses qu'il était ami du président de la République du Cameroun, pourquoi Mais c'était à cause de sa richesse. Pourquoi toi tu n'es pas ami du président de la République Pourquoi as tu pas considéré il a eu des faveurs dans ces nations que beaucoup n'ont pas et n'auront jamais. Pourquoi À cause de l'influence du matériel et des finances. Donc l'Église doit prier que Dieu nous donne cette domination. Et je vous dis la vérité, j'ai vu de nouvelles murailles. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Je veux parler à une femme qui me regarde. Écoute bien la parole de l'Éternel. Femme, écoute-moi. Femme, écoute-moi. Je prie que la grâce de Maman Shalom et Canes soit sur toutes mes filles qui sont en train de me suivre maintenant. Écoute-moi bien, femme. Écoute la parole de l'éternel pour toi. Femme, femme abandonnée, femme méprisée, femme insultée dans sa famille, femme oubliée et rejetée dans la poubelle des hommes et de l'humanité. Voici ce que Dieu m'a dit. Lorsque Dieu rebâtira les murailles de ta vie, tu ne chercheras plus le mariage pour sortir de la pauvreté. Non. Tu ne chercheras pas le mariage pour changer la situation de ta vie. Non. Femme, écoute la parole de l'éternel. Non. Parce que l'éternel lui-même se chargera en cette date fixée de rebâtir tes murailles. Alors, tu te marieras étant béni. Tu te marieras étant prospère. Tu te marieras étant riche, ne manquant de rien que du mari. C'est-à-dire que tout ce qui te manquera, c'est mari. Tu ne te marieras pas parce que tu as faim. Tu ne te marieras pas parce que ta famille souffre. Tu ne te marieras pas parce que hum, tes parents n'ont pas où habiter. Tu ne te marieras pas parce que toi-même tu manques où habiter. Non. Tu te marieras parce que c'est une nécessité, parce que tu as aimé cet homme. Et aucun homme ne te fera de chantage, aucun, aucune femme ne fera de chantage au mari. Pourquoi? Parce que le peuple sera béni par l'Éternel, son Dieu, qui rebâtira ses murailles. Laisse ces anciennes murailles partir. Laisse-les partir. Parfois, quand Dieu renverse les murailles dans nos vies, on pleure ces murailles. Oh Seigneur, tu as renversé les murailles. Et nous, nous on prend les briques, ou bien les briquettes de la muraille, on les sur soulever, on veut remettre. Non, quand Dieu renverse les murailles de ta vie, laisse-les là-bas. Tu n'as plus rien à faire avec les anciennes murailles. Ce n'est plus ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est plus ta catégorie. Dieu a changé ta catégorie. Renversement de murailles égale changement de catégorie. Je veux que tu sois sûr de cela. Et lorsque Dieu va rebâtir, attends les nouvelles murailles. Tu vas voir toi-même. Non, non. Elles seront glorieuses. Elles seront grandiloquentes. Que Dieu te bénisse. Habitant de Douala, je suis dans la ville de Douala. Et ce soir, à partir de 16h, nous serons à l'immeuble Kamelet. Derrière l'immeuble Kamlai au quartier Ndokbon pour le grand programme Briser les limites avec Jésus-Christ. Briser les limites avec Jésus. Je vous dis la vérité. Le Seigneur veut briser les limites dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Sois fort. Ne te laisse décourager par rien. N'accepte que rien ne t'arrête. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Ne permets à aucun homme de te mettre mal. Ne permets à personne de se passer maître de ton destin. Mon ami, bats-toi pour réussir. La plus grande défaite. Que tu peux donner à tes ennemis, c'est de réaliser ce qu'ils ont prophétisé que tu ne réaliseras jamais. C'est de devenir ce qu'ils ont dit que tu ne seras jamais. Et avec le soutien de Dieu, avec la grâce de Jésus-Christ, je sais et je crois en toi. Et je crois en Jésus-Christ et je crois en ses promesses pour ta vie. Lève tes yeux vers Jésus. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit remplie de belles surprises. Que tous les plans de l'ennemi contre ta vie soient anathèmes au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prendre ta bouteille d'eau, ou bien ton verre d'eau. Je veux prier avec cela. Je veux prier avec toi. Je veux prier sur l'eau. Je vais prier sur ton eau. Tu vas prendre, tu vas boire un peu, tu vas laver ta face et ta journée est bénie dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, prends ton verre. Pendant que tu prends, je vais te raconter une histoire. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah, prophète, est-ce qu'on est obligé de prier avec l'eau oh, Vous qui utilisez l'eau, attendez, frère. J'ai répondu à un pasteur pendant le deuil qui est, attends, frère. Si j'ai dit au frère que prenez l'eau, nous prions. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Il y a des versets bibliques sur l'eau, ça c'est clair. Mais je ne laisse, on laisse même les versets bibliques. Ça dit que, frère, ne sommes pas comme des animaux, ne sommes pas bêtes comme des animaux. Pardon, sortons de cet obscurantisme, de cet analphabétisme spirituel. Il hein? faut faire attention, frère. J'ai dit à ce pasteur que, mais attends, entre nous. Donc, si je suis à la maison, tu viens chez moi comme tu es venu, voici bah, la nourriture. Je prie, Seigneur, bénis cette eau au nom souverain de Jésus. Je lui ai demandé, c'est un péché. Elle a dit non. Je lui ai dit, la Bible ne dit-elle pas que tout est sanctifié par la prière Elle a dit oui. N'est-il pas écrit que tout est pur pour celui qui est pur Elle a dit oui. Je lui ai dit, ok. Si, comme nous prions ici, si là, on mange là, avant de manger, on prie sur le repas, on prie sur l'eau, Seigneur, sanctifie l'eau. Où est donc le mal que, dans le rassemblement des enfants de Dieu, on apporte de l'eau et on prie que Seigneur, sanctifie cette eau et nous prions qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ Amen. Et on boit cette eau sanctifiée comme le repas est sanctifié. Où est le mal Où est la différence entre prier à la maison sur mon eau et ma nourriture et boire avec ma famille et puis venir maintenant, comme on est entre frères et soeurs et en famille, dans la famille de Christ, et on puis on prend l'eau, on prie, on boit, où le mal, Où la différence, Où le péché. Si c'est un péché, ça veut dire que mal à la maison, quand tu pries sur ta nourriture, sur ton eau, avant de boire, c'est aussi un péché. Donc les gens font des problèmes où il n'y a pas de problème. En tout cas, on n'a pas le temps pour ça. Dieu prendra soin de vous, vous là-bas, restez en arrêt, laissez-nous avancer. Le jour où vos yeux vont s'ouvrir, vous n'allez pas voir notre dos, on sera parti. Longtemps, loin. Ça c'est clair. Donc nous allons prier. Prends ton eau. Nous allons prier que Dieu sanctifie cette eau, qu'elle soit ouinte. Que sa grâce soit dans cette eau et que son notion se révèle. Pendant que nous vivons de cette eau, que l'Éternel assure notre santé. Toute maladie dans ton corps disparaît. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je lave mon visage, que l'Éternel assainisse ma vie. Que l'Éternel, c'est un acte prophétique. Le Seigneur assainit ma vie dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, je prie. En ce début de journée, je bénis la journée de ton peuple et je prie que cette eau que nous présentons vers toi dans le monde entier soit sainte, qu'elle soit sanctifiée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le mystère de la prière soit manifesté et quiconque boit de cette eau, Seigneur, que la guérison divine soit révélée dans son corps au nom précieux de Jésus-Christ. Père, en lavant nos faces ce matin, nous déclarons que nous sommes dégagés de toute barrière de l'ennemi. Les limites sont brisées. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ, nous entrons dans le renouvellement des choses. Qu'il en soit ainsi au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas faire le make-up après, s'il te plaît. Père, ta grâce est dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Bonne journée à toi. C'était une première expérience. Nous avons de lundi à vendredi, tous les matins, à partir de six heures, nous serons ensemble pour bénir la journée avant de commencer. Tu seras la tête et non la queue pendant ces journées. Quiconque lèvera la main contre toi, sa main se retournera contre lui-même. L'Éternel te préservera. Mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Va et sois le héros dans ta génération. Va et fais des exploits avec le Seigneur en ces journées. Je bénis. Ta journée du soleil, levant, au soleil couchant. Je bénis ta nuit. Rendez-vous demain quand il sera, 6h. Et tous les habitants de Douala, rendez-vous ce soir à partir de 16h à l'église derrière l'immeuble Kamlé au quartier. Donc bon, je vous attends très nombreux. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.